chaque projet d'exposition, je me raconte des histoires et je me raconte des histoires ou une histoire en tout cas avec une sorte de fil conducteur et que j'essaye de construire comme on construit un essai ou un roman où en fait on a un plan avec une introduction, un développement et une conclusion. Alors je considère que chaque exposition, en fait c'est des séquences. C'est des séquences où il se passe des choses entre des œuvres. Et dans chacune de ces séquences, je raconte des histoires différentes. Qui sont, donc le titre est toujours important, parce que le titre nous pose des choses. Et dans ces expositions, où la plupart du temps, je produis des nouvelles œuvres, qui sont vraiment des œuvres conçues pour rentrer en dialogue avec les espaces des lieux. Et souvent, à partir du moment où le titre est trouvé et donné, c'est beaucoup plus facile de déplier l'ensemble de l'histoire et l'ensemble des productions. Parce que le titre, il donne le ton. J'aime aussi cette idée que les œuvres soient en mouvement et donc que moi aussi, je sois en mouvement. Et c'est-à-dire que je ne sois jamais statique par rapport à ce que je produis. Vraiment dans le cœur de l'atelier, et c'était une ancienne piscine. Donc quand j'ai récupéré les clés de l'atelier, il y avait encore de l'eau dans la piscine, et donc on a vidangé toute l'eau de la piscine. On a fait un solivage pour avoir un plancher et donc pouvoir récupérer l'atelier qui est au-dessus. Très rapidement, ça a été pensé en fait comme un espèce de stockage. J'aime bien cet endroit parce que les œuvres, elles sont un peu en sommeil ici, assez régulièrement quand elles sont empruntées pour une exposition, et ben en fait elles ressortent et puis après elles redescendent, donc il y a une sorte de danse un peu qui s'effectue. Je réaménage les choses en fonction des pièces qui partent ou des pièces qui reviennent. Je vis avec un musicien avec qui on collabore sur plusieurs projets qui sont des projets de performance ou des projets spécifiques d'activation des œuvres. Pour, par exemple, le projet du Ofrac des Pays de la Loire où il y avait trois expositions en une où toutes les semaines les œuvres étaient déplacées par l'équipe du Frac. Et ensuite, on a fait une performance où ces œuvres étaient déplacées. Donc moi, j'aime aussi beaucoup ce rapport à l'autre. J'aime beaucoup voir et travailler avec des gens qui déplacent des œuvres. Je trouve que c'est très beau. Il y a une chorégraphie vraiment de l'attention, suivant la physicalité des œuvres, qu'elles soient plus grandes, plus légères, plus lourdes. On ne les déplace pas de la même façon. Dans mon travail, c'est souvent des séries d'œuvres qui sont produites, qui sont entre guillemets de la même typologie de forme ou bien de matière. Donc ça forme comme des équipes un peu. C'est un peu des grands ensembles qui fonctionnent entre eux comme ça, qui sont souvent un peu disparates. Il y a toujours cette question de la nuance. Qui est là, comment est-ce que je peux traduire des gammes chromatiques de façon différente par l'usage de matériaux différents. Et donc l'usage de la couleur, il se fait à plusieurs endroits, il se fait par le tissu, parce qu'il y a beaucoup, j'utilise beaucoup de matériaux souples. Donc cette accumulation, en tout cas, de gammes chromatiques par le tissu, pour moi, il est vraiment important.
Dans toutes les propositions que je fais, il y a quand même cette pensée picturale et comment le geste pictural se retrouve à différents endroits, sur des volumes, sur des formes plutôt planes, dans des rapports d'échelle très différents aussi. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des tests d'expérimentation de peinture à l'atelier qu'ensuite je vais scanner ou photographier et ensuite réimprimer à des échelles différentes. Ça, c'est des choses sur lesquelles je peux travailler. Mais j'aime bien penser aussi ce rapport à la peinture dans cette question de... Une toile de peinture, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même un tissu qui est apprêté. Et ce tissu qui est apprêté, il fait que du coup, il devient plus rigide. Donc, il devient presque comme une sorte de peau, en fait. Donc, il y a toujours ce rapport un peu un peu charnel, en fait, finalement, qu'on peut trouver dans les matériaux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Et il y a aussi beaucoup cette question du recouvrement. Donc, j'utilise des matières qui peuvent être... des matières un peu dufteuses, un peu molletonnées, comme ça, que je viens, intercaler entre deux tissus pour essayer de comprendre, en fait, les rapports de force qui peuvent se produire entre des tissus plus ou moins légers, plus ou moins, élastiques, ou au contraire, beaucoup plus durs. Il y a toujours cette question de transposition, en fait, quand tu passes d'une application de la peinture sur une toile et qu'ensuite elle est scannée en haute définition, puis ensuite réimprimée. Au bout d'un moment, il faut aussi réussir à se détacher de l'original pour à un moment basculer dans autre chose, dans une autre image. Et moi, j'aime bien ce rapport aussi qui s'opère, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une reproduction fidèle de quelque chose, mais par contre, il faut réussir à retrouver des harmonies colorées. En fait, ça, c'est le sol et les poutres de l'Artothèque. Ça, c'est la maquette de l'espace d'expo. En fait, il y a deux espaces distincts, donc tu arrives par un escalier ici. En fait, vraiment, la première chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux et impressionnée, c'est vraiment toute la structure de la charpente. Les poutres sont assez... c'est vraiment presque comme un trait dessiné, tu vois. Donc, elles sont pas du tout droites. L'usage de la couleur, c'est une façon de traduire des émotions, des sentiments, mais aussi des fêlures. Et en fait, la couleur, des fois, ça donne trop d'informations. Et j'ai tendance à en rajouter de plus en plus. C'est pour ça que les dispositifs d'accrochage sont vraiment très importants, parce que dans la précision que je vais apporter dans la façon dont les œuvres sont présentées, accrochées, suspendues. Ça permet une légèreté, un rapport au blanc, à l'espace, au volume, qui est pour moi toujours en lien
avec les œuvres produites. Là, par exemple, pour l'exposition à l'Artothèque de Caen, je prépare cette exposition qui va s'appeler « Col roulé ». Donc ce titre, il est venu de ce rapport justement que j'entretiens avec la matière et à cette idée de recouvrement permanente de forme, qu'elle soit plutôt molle ou bien plutôt rigide. Quand on tend une toile sur un châssis, qu'est-ce que ça produit? Mais quand la toile est suspendue par rapport à, grâce à un dispositif qui permet de faire qu'il soit beaucoup plus souple, ça ne produit pas la même chose. Pour l'exposition, je propose des grands châssis qui vont être suspendus sur les poutres de l'architecture de l'espace d'exposition de l'Artothèque. Et sur ces grands châssis vont être disposés un ensemble de peintures, de matériaux, de couleurs qui vont reconfigurer des grands ensembles. Donc repenser cette question du cadre, du format, de la composition, c'est-à-dire qu'il y a des compositions à l'intérieur même des peintures. Ces peintures, elles sont, pour la première fois, elles tendent un peu vers une forme de figuration, mais elles sont mises en relation avec des formes beaucoup plus abstraites. J'avais besoin là de me confronter à cette question du format, du châssis, de la toile, et comment est-ce que ces formats, en tout cas qui sont plutôt plans, deviennent des volumes et produisent des relations, des interactions, en tout cas. Dans cet ensemble de matériaux que je collecte et que je veux faire dialoguer.